Bonjour, bonjour, bonjour les amis, bonjour, nous on est les Suricates Gourmands, on est ravis de vous retrouver. Bonjour Marianne. Bonjour. Tout va bien? Bonjour à Freddy, une nouvelle fois derrière la petite caméra. Bonjour. On va faire une recette à trois, un repas d'été. Hein, on est à la veille du premier week-end du mois d'août, alors là, en plus avec les chaleurs, pas de cuisson, que du froid. Mmh. Marianne, la recette, on va regarder. Tomates farcies. Oui. Thon, œuf et maillot. Voilà, regardez, on va regarder tout de suite le thon, parce qu'on va rentrer. Non, la mayonnaise est faite, hein, bien sûr, on va la rentrer tout de suite. Oui. Ça, Freddy vous dira tout à l'heure comment elle a fait cette mayonnaise, qui est très simple. Hein. Oui, les tomates sont là, le thon, on va le rentrer aussi, parce qu'il fait chaud. Donc ça, c'est une boîte de thon, on l'a montré ici, une boîte de thon qui est vendue à 400 grammes. Je dis à Marianne de ranger ça, merci. Il reste à peu près 280 grammes de thon, thon naturel, hein, qui va être émietté. Égoutté. Égoutté, bien sûr. Hein. Voilà, jusqu'à là, tout se passe bien. Alors, les œufs, on va commencer par ça. Deux œufs de ferme, hein, si possible. Hein. Vous connaissez ça, on l'a fait l'autre jour. 3, 6, 9. Un petit peu de rosée. Je vais demander à Marianne un petit peu d'eau. Il y a une carafe d'eau là-bas, si elle veut bien me passer ça. Un petit peu de vinaigre de vin, ça c'est facile pour écaler. On va mettre à niveau. Et ça, c'est une nouvelle fois, 9 minutes, quand ça boue. Et ensuite, quand c'est terminé, on va les passer à l'eau et on va refroidir. Donc là, on est pas mal. Ça, c'est les œufs. Alors, on a dit tomates farcies avec de la mayonnaise, du thon et des œufs. Pas de problème. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la farce qui va être là ici? Qu'est-ce qu'on va mettre dans cette farce? Une cuillère à soupe de capre. Une cuillère à soupe de capre qu'on va couper en petits morceaux. Une cuillère à soupe d'olive verte dénoyautée. Deux cuillères à soupe d'olive verte dénoyautée. Trois brins de ciboulette. Oui, et puis une échalote grise. Voilà, pour assaisonner, sel, poivre. On demande à Freddy de faire le tour comme ça. Alors, il y a une tomate par personne. Vous allez voir, c'est simple. On en fait une, vous verrez après. Donc, alors ça, c'est important. Vous mettez dans l'eau froide, vinaigrée. C'est important, ça la nettoie. C'est un produit cru, il faut faire très attention. Quantité 10% de vinaigre. Par rapport à l'eau, d'accord. Si ça tient bien droit, on touche pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire une belle. Qu'est-ce qu'on fait, la Marianne? On coupe. Un beau chapeau. Hein. Alors là, on va surtout pas jeter le jus de la tomate, ce serait idiot. Hein. Alors, on va justement récupérer le jus de la tomate. Qu'est-ce qu'on va faire après, Marianne, avec le jus de la tomate? On va se faire un jus de tomate, tiens. Un jus de tomate avec. J'ai mis ça là-bas. Qu'est-ce qu'on met dedans dans ce jus de tomate? Bon, on met une pincée de fleur de sel de céleri. Oui. Hein, et puis une petite goutte de tabasco si ça vous plaît. Hein, d'accord. Là, on va enlever toute la pulpe. Et on va bien sûr récupérer ce jus de tomate. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, tiens, pendant que je fais ça, Freddy va vous rappeler la recette de sa mayonnaise maison. Alors, oui. Nous, ce sont toujours des mayonnaises maison. Donc, il faut un bol, oui. Deux œufs, deux jaunes d'œufs. Les jaunes que je mets dans le fond du bol. De la moutarde, j'en mets une bonne cuillère à soupe. Hein. Et du sel, du poivre. Oui. Et après, je mets de l'huile avec le batteur. Moi, je la fais au batteur parce que ça va plus vite. Oui. Et. On a dit sel, poivre. Je mets de l'huile au fil de l'eau. Oui, j'ai mis. Ben voilà, on est tout bon. Et c'est très bon. Et ça se conserve. Moi, je mets dans un pot qui se ferme. Au frigo, ça se conserve 3-4 jours, quoi. Bon, ça c'est une belle tomate. À la variété, tu te rappelles, Marianne est allée chercher ce matin sur le marché. On fait ce repas vers 10h, hein, il faut les laisser à peu près 2h au réfrigérateur. On va les mettre à l'envers, on n'a pas besoin de mettre de sel, ça sert à rien. Mais c'est des tomates de... Ça c'est des marmandes. Normal. Hein, c'est des belles. Hein. Alors, on va pas tout vous montrer. On va bien passer ce jus de tomate. Regardez ici. On a un beau verre, un peu de tabasco, un peu de fleur de céleri. On fait ça, on prépare et ensuite on fait la farce et on se retrouve dans le temps que les œufs soient cuits. Qu'est-ce qu'on va dire? 15-20 minutes, à tout à l'heure. Alors voilà, on a bien travaillé. Merci Marianne pour les œufs qu'on a écalés. Là, Freddy prend la main pour faire l'appareil, la farce. Hein. Donc on rappelle Marianne la belle recette d'aujourd'hui. Pour thon les farci. Oui. Tomate farci. Oui. Thon. Avec du thon. Et maillot. C'est connu, ça c'est bien, c'est sympa. On peut même amener ça en pique-nique. Hein. Oui. Alors, pour 4 personnes, une boîte de thon. De toute façon, s'il en reste, c'est pas un souci. On met ça dans un petit bol et on continue à le manger en même temps que les tomates. Alors, on a mis le thon, on va l'émietter, pas trop, voilà, mais comme il faut. Un petit peu, oui. Bien sûr. Alors, on va regarder en même temps la tomate qui a été vidée. On gardera le petit chapeau pour à côté. La mayonnaise qui est là,
On est pas mal. Alors, ça, on fait ça à 10h du matin. À 10h30, 11h, c'est fini. Mettez ça 2h au réfrigérateur. Vous prenez l'apéro. À 13h, on mange. On est pas mal. Hein. Voilà. Alors, après, ensuite, on va mettre. Qu'est-ce qu'on a dit? Les œufs. Alors, les œufs sont là. Hein, des œufs durs. Hein. On va les couper en 4. On fait des petits morceaux. Pas compliqué. Hop. Hop. Voilà. Et hop. On fait pas des, on fait pas des œufs mimosa. Hein. Puis on met ça là-dedans comme ça. Coupe les petits morceaux. Ça, c'est sympa pour l'été. Hein. Mmh. Voilà. Voilà. Ici, on a préparé, Marianne, la petite échalote. Oui. Qui a été finement ciselée. Pas trop, parce qu'il faut quand même qu'il y ait du goût. Ici, on a préparé. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a 2 cuillères d'olive verte dénoyautée et une cuillère de cap. Alors après, en fonction de vos goûts. Hein. Je fais l'œuf. Hein. On a préparé. Oui, je fais l'œuf. On a préparé la ciboulette pour les petits brins. Ici, ben, on le rappelle, ça sera la fin. On va se faire plaisir. On va mettre un petit bol de jus de tomate. Ça, si vous voulez faire un marathon, un semi-marathon, faites ça. Hein. Une pincée de fleur de céleri, de sel de céleri. Une goutte de tabasco si vous voulez. Et puis on est pas mal. Alors, on regarde encore ça. Donc, le thon, l'œuf. On va mettre ben, les petits ingrédients là, qui est ici, les petites épices. Mm. On a une petite cuillère là-bas derrière. Voilà. Mm-hmm. Alors. C'est pas mal comme ça. Et après les olives. Oui, voilà. Dénoyautées. Alors, dénoyautées, bien sûr, il n'y a pas de souci. Ça, c'est fait. On va donner le petit bol à Marianne, si elle veut bien. Mm. Merci. L'échalote. La petite échalote. Grise. Grise, oui. Et après, la mayo. Tiens, on va donner ça aussi à Marianne. Merci, Marianne. La mayo. Alors, voilà, la mayo, vous la mettez en fonction de ce dont vous avez besoin. Déjà mélanger un peu. Oui, alors, on disait tout à l'heure pour les tomates, c'est important de bien les laver, surtout qu'on les mange crues. Si vous ne tombez pas sur des tomates, bah, de toute façon, bio ou pas bio, c'est pareil, on les nettoie. Voilà, je mélange un petit peu avant. Là, voilà. Je vais ajouter la mayo. Alors, la mayonnaise. Hop. Alors, vous avez vu, on a préparé une petite assiette avec un petit peu de salade dessus. C'est vraiment un repas d'été. Hein. C'est la saison des tomates. Alors, plus ou moins de mayo, ça dépend de vous. Oui. Alors, on ne va pas polémiquer sur le thon. On en a beaucoup du thon maintenant. Ça va, il n'y a plus de soucis. On peut, de temps en temps, manger une petite boîte de thon. C'est pas, on va pas, hein, on peut manger un petit peu de poisson. Il faut juste faire attention de ne pas, de pas en manger trop. Oui. Alors, je vais rajouter de la mayo. Oui. Vous avez vu, ça va nous rester. On va demander à Marianne le petit bol qui est derrière. Parce que là, c'est ce qu'on mettra à côté de la table. Non, pas celui-là, notre, là-bas. C'est ce qui restera à côté. Pour les gourmands, eh ben, on mettra ça dans un bol. Voilà. Ensuite, on va mettre. C'est une mayo maison, vous savez, hein, je la fais toujours. Ah ouais. Ça évite les conservateurs. Voilà. Voilà. Voilà, la farce, c'est pas mal. Hein. On est bien. On va approcher la tomate. La tomate. Vous avez vu, c'est sympa. Hein. Alors, on va mettre un peu de sel, un peu de poivre, assaisonné. On va prendre un grand bol. Oui, un grand bol. Tiens, l'assiette là, Marianne, s'il te plaît. Voilà. Ça, c'est le bol pour tout à l'heure quand il restera de la farce. On va demander la grande assiette pour mettre les couverts. Voilà. Et là, maintenant, Freddy va farcir. Comment on fait? On se décale. Oui. Voilà. Là, regardez, on fait comme ça. Je vais faire. Alors, moi, non, on va se mettre comme ça. Voilà, comme ça. Oui, on est bien ça. Comme ça. J'en mets. Regardez. Ouais. Hop. C'est joli. C'est joli. Est-ce qu'on a mis un peu de sel et de poivre? Non. Alors, on va farcir. Non, mais... Ça, c'est pour Marianne. C'est très bien. Oui, voilà. Hein, voilà. Sel, poivre, un tout petit peu, puis on va rectifier l'assaisonnement. Dessus. Dans le... Voilà, ça c'est pour... Hein. Oui, bon, il y a quand même pas mal de capres, pas mal d'olives vertes, donc... Hein. Oui. Après, chacun met un petit peu. Voilà, comme ça c'est fait. Marianne, ça suffira pour elle, parce que... Elle mange pas trop poivré et puis un peu de sel. Voilà. Elle en rajoutera si elle veut. On est bien comme ça? On en remet un petit peu. Allez, un petit peu par-dessus. Pour les gourmands. Pour les gourmands. Comme toi. Alors, on va bien sûr faire ces 3 tomates qui restent. Ça, on l'a déjà vu. On va les, on va couper le chapeau. On va les vider. Alors, on va enlever ça. On va mettre ça ici. La petite ciboulette. On va mettre 3. On partage. Un petit peu de ciboulette. Ça met un peu de couleur. Voilà. Regardez, un petit repas comme ça, c'est sympa. Tiens, on va enlever les enfants adorent ça en général. Oui. Voilà. On va enlever le petit papier, que ça fasse bien joli. On va enlever la farce aussi, qu'on fasse une belle photo. Ben, on est bien comme ça. Bon, on va tout laisser là. La farce au frais. Voilà, on remet la farce au frais. La mayo aussi. La mayonnaise aussi. Là, on va vous montrer ce qu'on fait après. Mais ça, c'est pas compliqué. Il y a du jus de tomate. Et là, on va le mettre dans un beau verre. Comme ça, tout à l'heure.
Et puis avec, je l'ai dit, un petit peu de fleur de sel, de céleri. Et ça sera pas mal. Ah ben, écoutez, c'est sympa. Hein. Bon, merci Marianne. Oui. Ben, merci. Oui. Eh bien, avec plaisir. On se dit à bientôt. Oui. Si ça vous a plu, mettez un pouce. Oui, un petit pouce. Abonnez-vous si vous le voulez. Partagez. Ouais. Voilà. Merci à Freddy. Ben, écoutez, essayez de passer un bon mois d'août. Il va faire très, très chaud. Donc, faites-vous plaisir avec ces petites salades. Oui, c'est le meilleur. C'est sympa comme tout. Si vous partez en pique-nique dans une petite boîte en plastique, les fameux Tupperware, et puis faites-vous plaisir. Allez, on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt. On vous embrasse. Au revoir. Au revoir.